J'aimerais bien trouver. Tu vas pas mettre ça dans le vlog. Tu vas sûrement pas mettre ça dans le vlog. Eh ben si. On est en train de faire le montage et on s'est rendu compte que le micro était débranché pour une bonne partie du vlog. Du coup, désolé pour le souffle. Quasiment tout le vlog. Voilà. Désolé. Louis a pris le relais sur le vlog et je peux continuer mes semis avant qu'il fasse nuit. On est reparti. Maintenant, on va faire les green zebra. Je l'ai choisi vraiment comme si ça allait avoir une importance sur laquelle va mieux marcher. J'en en ai aucune idée. Tomate blanche. Celle-là, elle est jolie. On devrait faire un livre pour nous aider à choisir laquelle graine est visuellement la meilleure. Je la sens bien celle-là. Voilà. Ok. Tomate cerise. Classique. Oh, elles sont toutes petites. Oh, mimi. Courge musquée. Première fois que je fais des courges, on verra bien. Ça, c'est celle de Santorin. Moi, elles sont encore bien. Il y a de quoi avoir un champ de tomates avec ce que j'ai là. J'ai aucune idée de ce que c'est celle-là. On met un point d'interrogation sur lui. Aucune idée. Et donc maintenant, je vais essayer avec mes graines, mais j'ai peur qu'elles soient trop anciennes. Ce que je peux faire, c'est que je vais mettre des graines de plusieurs années, on verra bien. Je peux déjà regarder si les 2020 c'est mort, comme ça, je suis fixée. Jusqu'à 6 ans et 10 ans. Donc il y a peut-être moyen. Bon, du coup, j'ai fait un truc parce que j'ai des variétés que j'ai récupérées d'année en année. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lignes et je vais mettre 3 graines par pot et je verrai bien lesquelles germent. Le pont juste. C'est toi qui avais fini ? Non. Alors, fais ton mémo. T'es prête ? On va faire juste le pont que je ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas. Non. Alors on fait quoi ? Le pont. On fait le pont. Contre vents et marées, je me suis relevée. Bien mort, je respire encore, l'amour a tourné. Mais seul sans toi, ça me Je suis un bonbon rose. Sweet. Sweet. C'est dur les pieds d'urfin. Les trois refrains, ils ont trois structures différentes. Ils sont un peu plus longs à chaque fois, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'aime bien l'idée, hein. C'est juste que c'est bon. Je vais les mettre là, les paroles, ça tu verras. Tu lis pas encore, hein ? Non. C'est pas prêt. Je sais que tu lis. Non, je lis pas du tout. Tu te souviens quand ça commence, en plus, direct ? Ah bon ? Oh, c'est dur. Ouais, bah tu fais avec. Tu lis. Non, je lis pas. Si, si, si. Non, je lis pas. Je voulais que ça finisse bien, pas comme dans un film de Coppola. Qu'on se prenne des pop-corn et puis la main. Je crois que je vais un peu trop au cinéma. T'as des trucs là. J'avais quelques idées, mais. Pause avant la fin. Mmh. T'aimes bien ouais. T'aimes bien l'idée ? De mettre pause avant la fin. Le deuxième couplet, c'est pas compliqué. Je sais pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Dis-moi. Je pense qu'on comprend à peu près, tu vois. Mais je sais pas si on comprend bien. Ok. Tu vois pas ce que je veux dire ? Ah bon, je comprends parce que c'est moi qui l'ai écrit. Oui, je sais. Mais ce que je veux, de ce que je veux dire. Oui, c'est pas compréhensible, il faut changer. Et le premier couplet, par contre, je pense que ça. Allez, vas-y. On se prenne des pop-corn et puis la main, je crois que je vais un peu trop au cinéma. Le « je crois que je vais un peu trop au cinéma », tu voulais en venir à... Il a l'habitude de voir des films qui se terminent bien, et en gros, je pensais que ça se terminait toujours bien, et en fait, pas non. Ah ! Du coup, j'avais un truc... Je veux la même histoire en changeant la fin. Non. J'aime bien l'idée, mais je sais pas si c'est bizarre d'avoir un truc en noir. Parce que toi, tu voudrais que ce soit en quoi, en bas ? Bah, justement, c'est ça que je sais pas. Soit en 1, soit en al, non ? Soit en 1, soit en al. Ouais. Ah oui, voilà ce que tu veux dire. Est-ce que c'est bien ? On garde que le bien. Viens, on oublie la fin. C'est bien, le bien. Donc est-ce qu'on, dans le premier, on fait on garde que le bien, viens, on oublie la fin. Ça, c'est très lisible, ça va. T'as entendu, t'étais en... J'étais en PLS. D'accord. Là, je t'écoute. Je vais rembobiner et qu'on s'aime. Et puis qu'importe si ça fait mal, on ne garde que le bien, viens, on oublie la fin. C'est lisible, tout va bien ? Bah oui. On ne garde que le bien. Ouais. Parce que pas grand-chose, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. Et là, on peut garder le bien, mais du coup, on dit viens, on met pause avant la fin.
Oui. Pour l'avant-dernier, parce que du coup, il y a une... la fin dans le pont. Ouais. Et le dernier, tu me mets ? Tu vois, si tout te paraît bien. Ça fait Elena. Je pense et puis quand si ça fait mal, toi tu préfères les fins brutales et on m'épouse la fin. La fin. C'est bien. C'est top. Voilà, c'est bien. Je crois qu'on peut dire sans trop de doute que ces films terminent mal. Moi je veux te raser. Mais c'est la guitare qui résonne. Ah. Je peux pas te les watts. Sur ce 8. Et on dépose ton cœur, c'est bien. Je suis pas sûre. On a vu la fin, on ne regarde que ce qui. Quoi ? On ne regarde que ce qui. Aujourd'hui, on a été faire un petit tour à Sostrengren parce qu'il y avait des trucs que je voulais acheter pour mettre les noms de mes tomates dans les pots de tomates et aussi des trucs pour surélever mes plants pour qu'ils soient bien au soleil près de la fenêtre. C'est parti! Et maintenant, on attend. On sait pas les graves. When you start my flavin' missile, la 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 da 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 da. Doesn't matter how much you give. Okay. I don't want to smile anymore. When you start my flavin' missile. Je fais le gauche droite, tout cogné. I don't want to smile anymore. Trying to find a reason to live. I don't want to smile anymore. When you start my flavin' missile, it's burning like a fire. I wanna feel the light, I wanna feel the light. Cause I just can't stand every little fight. Now I'm begging you please, I wanna feel the light. I wanna feel the light. I wanna feel the light. Light. Et du coup, je pense qu'il faut que je cherche des Zlib. Fire. Non. Fire. Try to get me higher than dry. Burning like a fire. J'ai déjà mis pas mal de trucs, pas trop en mettre. Oh. J'ai fini, j'ai directement fait enregistrement puis edit dans la foulée alors que je me tape une migraine depuis le début d'après-midi. Mais je pense que c'est cool, je vais faire écouter à Louis puis ensuite j'enverrai ça à Dream Chaos et puis voilà, je pense que c'est bien. Oh la vache, trop bon. Donne-moi encore des gueules d'amirate. Je pense que c'est la dernière fois qu'on en a mangé, c'était genre 6 ans. Pareil. You're trying to get me higher. Feel the light. Écoute, c'est super. Ah mais tu l'as encore mis en mode comme ça. Il marche bien avec ma voix tout le temps. What are you? Oh la vache, je l'ai fait monter jusqu'à tout en haut. Regarde. What are you? T'as vu? C'est incroyable. GG. Ah bah merci. Y'a pas de rien.
Aujourd'hui, c'était jour des réseaux un peu pour moi. J'ai enregistré hier, du coup je me suis un peu abîmé la voix, donc je voulais pas enregistrer une autre chanson par-dessus aujourd'hui. Mais j'ai annoncé nos dates de concert de avril, juin, juillet sur du Nice. Je me suis occupée de mettre une petite vidéo de l'enregistrement de la version sad de No More Lies qu'on avait sorti avec Yanné. Qui a... je vais encore dire une bêtise. Dans la vidéo, j'avais déjà dit n'importe quoi. En février, c'était il y a 2 mois. Donc on a sorti il y a 3 mois. On a fait une version du coup triste. Elle est sortie là justement ce vendredi. J'ai fait une vidéo sur Nitoona, donc je prends les bouts, je mets les sous-titres anglais et je les mets après sur l'insta de Nito. Et sinon Louis va aller au cinéma alors qu'il a Danse avec les stars, donc je regarderai en replay. Mais surtout le pire, c'est qu'il va aller au cinéma pour voir un film d'horreur qui est mal noté. Donc aussi bien c'est bien, parce que généralement on aime bien les Blumhouse et tout, mais là je crois qu'il est quand même noté genre même pas 2 sur 5. Donc on verra, je vous ferai une vidéo de ma tête en rentrant, voir si j'ai trouvé bien ou pas. En vrai je suis bon public, aussi bien sera bien, mais j'ai un petit doute. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à aller écouter la version sad de No More Lies sur Nitoona avec Yanné. Et elle est super jolie et le sample que Louis a trouvé, j'aime trop. Le piano de Yanné est magnifique comme d'habitude. Je pense que je réenregistrerai à partir de demain. Et voilà, bonne soirée. Alors demain, on a concert pavillon. Le 22, je crois qu'il y a Camille qui passe à Quimper, faut que je vérifie, mais il me semble. Et si on est là et qu'il reste des places, et ben j'aimerais bien aller les voir à Nive. Voilà. Une fin de mois très sympa. Des anniversaires et des concerts, on aime bien. Ah, il est sorti du mois, j'ai pas mis. Bon, je le note même si c'est passé. No More Lies, sad, numb. Je crois que c'est tout parce qu'après, c'est en avril qu'il y a une sortie très stylée. Je ne pensais pas qu'elle allait sortir aussi vite, mais du coup. Hâte de vous en dire plus. Un foutu truc pour ce drap, j'aimerais bien trouver. Un foutu truc pour ce drap, j'aimerais bien trouver. Tu vois pas le tas dans le vlog? Tu vas sûrement pas mettre ça dans le vlog. Eh ben si! Hop! Depuis hier, je suis en train de travailler sur un morceau qu'on a fait à la session de Paris. Et là, je viens de me faire rouspéter parce que je ne filme rien. En gros, j'ai plutôt très bien avancé sur la prod et j'ai trouvé un truc qui me plaît beaucoup. Sauf que depuis, à mon avis, ça doit faire 5 heures que je bloque sur le drop. J'ai essayé plein de choses. À chaque fois, ça me va pas. Donc, je vous fais déjà écouter un peu ce que j'ai fait. J'ai envie de trouver un truc en fait fort sur le drop. J'avais trouvé cette idée avec des chopes de voix, mais plus je travaille dessus, plus je m'en lasse et c'est pas bon de s'enlacer. En même temps, il y a un mood que j'aime bien. Et en même temps, je vais tester quand même d'autres choses. Si bien c'est les notes qui me cassent les noisettes. Mais bon, on va essayer. La guitare quand même. Pas mon i. Un peu chiant. Donc, cherchons des choses. On peut essayer. On sait pas ce que je cherchais, mais sur le pré-ref, je pense qu'une petite guitare, ça peut être sympa. Ok, c'est parti pour Rexa. Un peu plus de son. Il y a encore une idée sympa, mais j'ai pas l'impression que ça marche 100%. Sinon, mon idée d'hier, c'est qu'est-ce qu'elle devenait.
Mais ça, j'ai l'impression que ça marche. C'est peut-être juste les notes du ni, nou, nan, nou. Je sais pas si c'est les mieux. Mais en fait, cette idée, elle est bonne, non? Ça colle mieux, quoi, à la chanson. Oui, parce que ça, ça marche. Oui, ça a marché, ça. Après 2 heures de travail encore sur la même chose aujourd'hui, je pense avoir trouvé quelque chose de cool. C'est un peu la même idée que j'avais eu hier, mais je l'ai simplifié. Je l'ai rendu plus sobre. Parce que en fait, ça me prenait la tête. Je pense qu'il y avait trop de choses et c'était trop répétitif. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà.